Hello, hello mes braves, j'espère que vous allez bien. Ce week-end, mon mari et moi partons à Riyad en Arabie Saoudite pour soutenir notre grand champion Francis Ngannou pour son combat de boxe. Pour ce petit voyage de 2 heures, j'ai choisi un look super sympa et décontracté. Honnêtement, je me sentais super bien dans ma tenue. C'est ma première fois à un combat de boxe, donc j'ai hâte d'y être. Après l'enregistrement, on s'est posé un tout petit peu au lounge, mais on n'a pas mangé grand-chose, surtout qu'en ce moment, j'ai pas très faim. Je prends les gélules coupe-faim de chez Bio 7 Detox. Je me suis juste contentée d'une petite burrata et même ça, j'ai pas terminé. Ensuite, direction l'avion. Je me sentais trop fraîche. Embarquement terminé. La première classe de Emirates, c'est vraiment bien, mais je vous assure que ce que j'ai vécu à mon retour à l'enregistrement, franchement, c'était trop moche. Le service était nul. Je bois également beaucoup d'eau en ce moment car c'est bon pour la santé de la peau. Regardez-moi ça, la madame de quelqu'un, la femme de quelqu'un. Là, ce sont les toilettes de la First Class d'Emirates et on se croirait vraiment à la maison. C'est Je immense. n'oublie pas d'hydrater mon visage avec mon stick que j'emporte partout avec moi depuis un Il moment. y a également un bar dans le vol pour prendre un verre et discuter avec des amis sans déranger les autres. Voilà, on est enfin arrivé à Riyad et j'étais super fatiguée. J'avais également très mal aux yeux et je ne comprenais vraiment pas pourquoi. Ouh là Cet là. hôtel aussi, il est beau. La suite, elle était magnifique. Elle est grande avec un beau dressing et suffisamment d'espace pour deux. On a pris un peu de temps pour se rafraîchir avant d'aller dîner. Ensuite, on est monté se reposer. Au réveil, on a pris un petit déjeuner bien consistant, quoique j'ai pas toujours beaucoup mangé parce que comme je vous ai dit, je suis au régime. Et voilà, le moment est venu pour aller soutenir notre grand champion. Je me sentais trop fraîche dans cet ensemble. Notre chauffeur nous attendait déjà. Et je vous assure, j'avais trop hâte de regarder ce combat. J'ai donné une petite interview à une chaîne locale. Le drapeau de mon pays est bien représenté, c'est l'heure du combat. Tout était super bien organisé, franchement la présentation a été top, l'accueil aussi était super. Et c'est vraiment fou de voir à quel point Francis il est valorisé ici. Il est vraiment la superstar qu'il pensait être. Et Cristiano Ronaldo était juste en face de moi. Oh là là, comme j'aurais aimé que Naël et Diamond soient là pour voir leur star. J'étais tellement heureuse, surtout qu'il se battait à la mémoire de son fils. Son discours de fin, franchement, ça m'a aimé. Ça m'a vraiment touché. C'est un moment très dingue. Je suis tellement fière de lui. Notre champion. Bravo Francis, tu m'as réservé un regard. Honnêtement. Thank you everyone for coming. You deserve it!